Yo tout le monde, c'est Kizae, bienvenue pour cet épisode 3 de Twewi. Oh yeah. Alors, du coup, on va continuer. Simplement. Alors, la dernière fois... ouais, alors déjà, j'attends juste voir ça. Qu'est-ce qu'on a, badge? Ah, ouais, mais bon, comme ils étaient déjà au max, ça fait rien, c'est cool. Donc, dans le dernier épisode, Neku et Shiki avaient rencontré donc le duo de Beat et Rhyme. Ils ont dû faire donc la mission de nettoyer, enfin de... comment dire ça, enlever le sort qui était jeté à la statue d'Hachiko. Et suite à ceci, la Reaper a demandé à Neku s'il était prêt à... comment dire ça, à tuer Shiki pour avoir un ticket de sortie et sortir du game, donc du jeu. Ce que Neku a fait. Du coup, il s'est retrouvé dans cet endroit, tout seul dans le noir. C'est juste, hop, qu'il y a quelqu'un. C'est dingue, j'arrive pas à trouver ce qui est détraqué. Tac, donc, on ne sait pas trop où on est pour l'instant, mais bon. Débruite pas. Quelqu'un vient de ce côté. Oh. Il fait noir. Où suis-je? Montre-toi. Ah. Toi? Neku? Tu m'as filé une de ces trouilles. Ne fais pas ça. Moi, je t'ai filé la trouille. Mais où tu étais? Il faisait noir, je cherchais une sortie. J'ai dû trébucher une bonne demi-dizaine de fois. Bon, réessayons. Neku, les badges ne marchent plus contre les échos. Tu es sûr? Oui, enfin, à quelques exceptions. Comme la psychokinésie. Bon, on n'y voit rien. Tu devrais faire plus attention. Tu plaisantes, j'ai déjà trouvé la sortie. Alors pourquoi tu n'es pas à part? Je ne vais nulle part sans toi. Allez quoi, c'est quand même mon utilité, non? Ne fais rien d'idiot, genre partir seul. Pardon? C'est pas l'hôpital qu'il te faut de la charité? Je sais, vous vous demandez comment elle a fait pour survivre, mais ça va être expliqué, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que tu attends? Laisse parler ton instinct. Sauf ta peau et tant pis pour les autres. Non, Neku, ne me tue pas. Il le faut. Bon, voyons les résultats. Eh, ça va suffire, merci. Qui es-tu? Serait, il faut respecter les règles. Tenez pour mission d'effacer son partenaire, c'est une infraction manifeste. C'est vrai? Je sais. La partie est finie, je m'amusais un peu, c'est tout. Quoi? Une mission par jour, c'est la règle. Et seul le maître du jeu peut donner l'émission. Ça aussi, je le sais. Et comme je ne suis pas le maître du jeu, ça ne pouvait pas être une mission. Et donc je n'ai pas enfreint les règles. Alors tu peux y aller, Sarrette. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Pour un joueur, tu es très calé sur nos règles. Tu m'as bien eu. Tes promesses de me laisser quitter le jeu, c'était des mensonges. Oh, quel vilain mot, je ne mentais pas. T'effacer, c'était aussi faire quitter le jeu. Oui, mais bon, pas dans le bon sens, quoi. Tu m'as complètement gâché le plaisir. J'en reste là pour aujourd'hui. On rejouera une autre fois. Merci infiniment. Au bout de la vie, monsieur... Hanekoma. Sanae Hanekoma.
Disons que je suis une sorte de gardien. Je surveille la partie pour empêcher les moins scrupuleux d'enfreindre les règles. Cette Reaper nous a trompés. Elle t'a trompé toi, plutôt. Tu as sauvé la petite dame, tu es tombé dans un piège, et tu as bien failli la refroidir pour de bon. Si tu crois pouvoir t'en tirer seul, tu vas vite déchanter. Maintenant, passons des excuses à la petite dame. Pardon ? La rancune nuit à la coopération. Tu veux survivre, oui ou non ? Alors vas-y. Pardon. Neku, restons-en là, c'est bon. Tu ne voulais pas. C'est elle qui t'a forcé, pas vrai ? Et j'aurais dû me défendre. Alors oublions tout ça. Et voilà, c'est réglé. Bon, écoutez-moi bien. Pour se dire dans ce Shibuya, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire confiance à son partenaire. Surtout toi, DJ. DJ ? Tu sais ce que c'est la confiance ? Il est indispensable de coopérer pour suivre la partie. Seul, tu fais face à tes limites. Mais avec un partenaire, tu peux t'en affranchir. Même chose quand tu affrontes les échos. Si tu crois que tu es tout seul, tu te trompes. Ton partenaire partage toujours ton énergie. Vous devez vous synchroniser, être en symbiose. Et pour ça, tu dois t'ouvrir à elle. Parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens. Ne l'aménage pas. C'est le meilleur moyen de la faire comprendre. Il a raison, Neku. Écoute, je sais que je suis un boulet. Je ne suis pas très forte avec les Psy. Mais peu importe, je veux gagner cette partie. Et je veux qu'on la gagne ensemble. Alors dis-moi ce que tu penses. Tout ce que je veux, c'est de comprendre. Neko ? Moi aussi je veux me comprendre. Mais je n'y arrive pas. Tout ce que je me rappelle, c'est mon nom. Je me suis réveillé au carrefour sans savoir comment j'étais arrivé là. Ni pourquoi je fais partie de ce jeu débile. Je ne sais rien du tout. Parce que je ne me rappelle de rien. Hein ? Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu es amnésique ? Désolé pour toi, champion. Sale coup. C'est fou que tu aies perdu la mémoire. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Je ne savais pas. C'est vrai que ça m'a paru bizarre que tu ne saches rien sur Shibuya ou le jeu. Quoi ? Parce que toi, tu es incollable ? Eh bien, pas incollable, mais... Enfin, on a eu de la chance. Grâce à M. Anekoma et à ses conseils. J'ai l'impression qu'on peut enfin discuter, toi et moi. Et puis, il nous a donné un super badge. Ah ! J'ai failli avoir une crise cardiaque. Tu as fait remettre ton téléphone. Ah, ne touche pas, je m'en occupe. Jolie photo. Tu as vu ? L'écran était vers le haut. C'est mon amie. Elle était dans ma classe. Alors tout ce temps, oui, c'est ça que je regardais. Et toi tu m'engueules parce que je te cache des trucs. C'est juste une photo, pas la peine de... Neku, regarde, l'email de mission. Hein ? Elle change de sujet ? Qu'est-ce qu'elle me cache encore ? Bon, des fois je suis désolé, mais en fait, si vous voulez, sur mon écran, les bulles de dialogue apparaissent un peu plus tôt que sur la capture. Du coup, c'est pour ça que j'ai un mini-cran d'avance quand je lis les textes. Mais je pense pas que ce soit très gênant, vous me direz, hein. Sinon j'attends et je regarde sur l'écran de capture pour lire les textes. Mais vous me direz si vraiment ça vous gêne, je ralentis la lecture, y a pas de souci pour moi. Triompher du maître d'Aist. Vous avez 360 minutes, si vous échouez, vous serez effacé. Signez les Reapers. Le chrono. Bon, et bien pas de temps à perdre. Ok. La mission du jour a un rapport avec Aist. Aist, c'est le nom d'un lieu de concert. Je suis allé 2-3 fois. Tu as l'air de bien connaître Shibuya. Bien sûr, je passe tout mon temps ici. Suis-moi, je t'emmène à Aist. La sortie est par là. Voilà, reprenons. On a donc le badge spécial pour régler la difficulté sur facile. Donc les combats seront moins durs comme ils disent, mais ça rapportera moins d'XP et moins de badges. Ben non, sauf que nous on va les faire en mode standard les fights, bah oui. C'est pas drôle sinon. Une seconde. Quoi encore?
On y est. Tu veux dire qu'on était déjà à East? Tu sais, comment tu voulais que je le sache? Ils avaient tout éteint. On est en avance, alors te blâme pas. Reste plus qu'à vaincre ce maître. Enfin, quand on l'aura trouvé, quoi. Il faisait trop noir pour y voir quoi que ce soit. Alors on ferait mieux de s'occuper de ces lumières. Où on aura plus de chances de marcher dessus que de le battre. Comment on rallume? Quelqu'un dans le coin dans le savoir. Ah, donc sur l'écran du terrain, restez immobile quelques instants et vous pourriez peut-être parler avec votre partenaire. Ça peut donner des indices, effectivement, pour avancer. C'est ce qu'on va faire, on va attendre que Shiki ait la bulle. Voilà, ça on peut parler avec elle. On n'y aura nulle part sans lumière. Explorons la zone. Il y a bien quelqu'un qui peut nous indiquer la bonne direction. Pardon. Ah ben je lis trop vite en fait, ça le problème, c'est que je lis beaucoup trop vite. Qu'est-ce qu'il fiche? On la répète. De quoi il se plaint celui-là? Ah parfait, vous deux. Hein? On peut t'aider? Mais une seconde. Vite, vous pourriez me dépanner? Bien sûr, si c'est dans nos cornes. Chut, qu'est-ce que... Écoutons-le. Parfois, il suffit d'une oreille attentive. On peut peut-être même se résoudre son problème. Et sinon, t'inquiète pas, je te promets de refuser. Andouille. On n'a pas plus urgent, non? Mon groupe doit jouer ici dans quelques heures. Mes techniciens est introuvable. Vous pourriez le retrouver? Moi, il faut que je reste ici au cas où il reviendrait. Ah, il est pas si ouf, ce feignant. Le technicien? Ce technicien fait partie de tes héroïdes? Tout juste. Il porte un t-shirt noir, avec un cordon autour du cou. Sans lui, on est mal. Mais pourquoi tu peux pas partir? Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Parce que j'ai un concert. Je peux pas me barrer. Je m'appelle 777. 777? 777? J'y crois pas! 777, le chanteur de Death Merch? 777, la superstar en puissance? Ah, tu nous connais, c'est groovy ça! On est resté toujours en D. Mais un jour, on va révolutionner le rock. C'est moi qui. Ah. Bah. Bah. Eh, ça va? Ouais, j'ai juste la gorge sèche. J'ai pas mal crié pendant qu'on montait le set. On n'arrive à rien sans le Tekos. Oh non, mon pauvre. Pas de technicien, pas de concert, hein. Du coup, si on trouve ce type, on pourrait répéter si on le retrouve? Bien sûr, sinon on devra gagner le concert. Alors, vous en dites quoi? Vous voulez bien aller à sa recherche? On demande qu'à t'aider, mais... On n'a pas trop le temps, si? C'est ça. C'est un peu compliqué. C'est d'accord. Hein? Ah bon? Ouais. Merci mec, t'es cool. Si vous le voyez, dites-lui de rapiquer à East. Je t'attendrai ici. Ok. Oh c'est bon hein. Pardon, je t'avais jamais vu être aussi gentil. Elle n'a toujours pas pigé. Si on trouve votre technicien, il pourra rallumer. Oh, mais Neku, c'est génial. En plus, 777, c'est un... On va pouvoir aider 777 et accomplir la mission. Ok, bah c'est parti. Alors, cherchons le fameux technicien. C'est parti. Est-ce qu'il y a des échos? Ouais, il y en a. Est-ce que je peux les cumuler cette fois? Non, toujours pas. Je vais faire un petit combat vite fait pour reprendre la main. Your good is gone. Here it comes. Tac, on va juste déglinguer le loup vite fait. Parfait. Alors si j'arrive à toucher les chauves-souris, ça serait mieux pour les attaquer. Voilà. Parfait. Ça va, j'ai pas trop perdu la main du gameplay. Ah, Rambé, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal le Rambé, dis donc. Ok, alors. On peut pas faire grand chose pour l'instant, visiblement. On est un petit peu coincé.
On sait qu'il y a deux personnages rouges. Alors on va juste entrer dans la boutique qui est là, la Lapin Angélique. Bienvenue. Hein? Je croyais que personne ne nous voyait. Tu as déjà oublié, Neko. C'est comme disait Monsieur Anekoma. Dans les endroits d'exomotif, on devient visible. Du coup, on peut faire du shopping. Ah ouais. Vous pouvez acheter des objets depuis le mini-boutique avec de l'argent. Donc les yens, hein. Quelque chose vous plaît, il vous suffit de glisser un objet vers la caisse pour l'acheter. Si vous êtes à court d'argent, gagnez-en en vendant, jetant, donc les badges dont vous n'avez pas besoin. Ouvrez le menu de badges, puis glissez les badges à illimit dans la poubelle pour récupérer de l'argent. Alors, le truc, c'est que les vêtements, ça a une importance. Parce que chaque quartier, si vous voulez, chaque région de Shibuya aura un certain... une certaine marque qui va bien fonctionner en fait, et selon les achats qu'on fait, les marques et les vêtements nous donneront en fait un peu plus de statistiques, donc un peu plus de PV, plus d'attaque, plus de défense, etc. Et si on fait monter le level de la marque, bah justement les habits deviennent plus puissants et ça en débloque d'autres. Alors effectivement, pour ça il faudrait que j'aie suffisamment de thunes. Alors pour ce faire, on va juste, donc les vendeurs, tac, ça on s'en fout un petit peu. On va juste accéder au menu dans les badges et alors maîtriser, voilà. Du coup on prend ça, on balance les yens. Alors oui, je sais, c'est comme ils disent, hein. On peut croire que ça va balancer toute la thune dans les lamettes, mais qu'est-ce que tu fous. Mais non, c'est comme ça qu'en fait c'est uniquement en balançant les yens comme ceci, tac tac, que tu peux gagner de la thune en fait. C'est le seul moyen. Et donc là justement dans ce quartier, Lapin Angélique, c'est la marque de prédilection. Du coup son équipe et des objets, donc Lapin Angélique, on aura plus de. Enfin des meilleures stats. Donc là justement si je prends ça, vous voyez ça m'augmente PV plus 38. Par contre il me faut 45 points de courage pour le transporter. Donc là je pense qu'on va peut-être se prendre les premiers. Alors la capacité déverrouillée. Le vendeur remarque que ces marchés nous intéressent et vous révèle les informations sur la capacité de cet objet. Certains arguments. Voilà, donc là après si tu regardes sur le côté droite. Quand Shiki porte ça, son attaque augmente. Voilà, donc selon les objets, quand tu regardes les différents objets, en fait, le vendeur voit que tu remarques ça. Donc voilà, resserre des PV régulièrement tout au long des combats. Le contrepartie, vous arrêtez de recevoir des PV. Donc en gros, si tu prends ça. Tu gagnes des HP sur le long, mais tes badges ne gagneront pas de points d'expérience. Voilà. Donc on va acheter ça. Pour Shiki, ça peut être sympa. Hop. Ça c'est quoi? Courage requis 115. Alors le courage, après, il faudra que je vérifie comment ça remarche cette histoire, parce que je m'en souviens plus tellement. Donc le vendeur commence à vous apprécier. Donc voilà, niveau d'amitié supérieur, nombre d'astuces de capacité que vous pouvez ressortir de son commerce passe à 3. Du coup maintenant certains objets en fait peuvent avoir plus d'informations sur leur utilité. Donc là augmente l'attaque lorsque Neko est en danger de mort par exemple. Et voilà, donc en fait il y a différents objets qu'on peut après gagner ou recevoir un peu plus d'infos. Selon le niveau d'entente avec le vendeur. C'est un truc à prendre en compte, les marques. Parce qu'on va en avoir sacrément besoin. Alors du coup, comment ça se passe déjà pour l'équipement? Je sais pas si j'ai déjà accès à l'équipement en fait. C'est aussi objet, voilà. Comment on passe à Shiki par contre? Là, comme ça. On n'a pas assez de courage pour porter ça, il vous faut plus de courage si vous comptez porter ça. Ah en fait oui, c'est vrai que ça partage les mêmes trucs je crois. Ou bien non. Non, je sais plus trop, je crois que ça expliquait après plus tard dans le jeu comment ça marche, mais il y aura aussi un ratio nourriture à tenir compte. Mais ça viendra plus tard tout ça. Allez, du coup, hop, on va essayer de passer par en bas. Vous voulez franchir ce mur? Dans ce cas, battez ces échos.
Encore un mur. Pas grave, on sait quoi faire maintenant. Hé, ils sont testés ce badge. Celui que Soigneux Commun nous a donné. Ok DJ, pour saluer ton évolution sur le plan humain et une amitié sauvée des eaux, je vais te donner un petit conseil et un petit cadeau. Tâche de bien t'en souvenir. Ok, mais vous tâchez de vous souvenir de mon nom, ok? Monsieur Anekoma, je m'appelle Neku, pas DJ. Ah oui, pardon Neku. C'est bien noté. On verra ça. Commençons par un peu de blabla. Vous avez des questions? J'ai les réponses. Histoire d'étoffer un peu le lore et donc l'univers de Tuiwi, on va poser les différentes questions. Pour protéger le jeu des Reapers, il faut accomplir 7 missions une par jour. Et c'est vrai que si on échoue, on se fait effacer. Ah, seulement si vous échouez tous en fait. Hein? Vous n'êtes pas les deux seuls joueurs. Si un autre accomplit la mission, vous êtes tous sauvés. Alors inutile de jouer. Ah, et bien si vous vous dites tout ça et que vous laissez tomber les missions, alors tout le monde est effacé. D'autres que les Reapers notent les joueurs. D'autant que les Reapers, pardon, notent les joueurs. Hein? On est noté? Bien sûr, vous gagnez des points à chaque mission accomplie. Mais ça sert à quoi ces notes? Vous les saurez le 7ème jour. D'ici là, accomplissez les missions. Vous ne le regretterez pas. Ok, les Reapers. Qui sont les Reapers? Ils sont là avant tout pour gérer la partie et tester les joueurs. Comme cette sœurette qui vous en a fait tant baver, ils se mettent de temps en temps à travers votre chemin. Elle était vraiment flippante. Alors c'est une sorte de groupe. Oui, bien vu DJ. Vous avez vu le type en rouge près des murs? Et aussi ce sont des Reapers. Je le savais. Oh vraiment? Mais ceux-là ne nous ont jamais attaqué. Il y a Reaper et Reaper. Les buzzards d'un côté, les assistants de l'autre. Les Reapers près des murs sont des assistants. Ceux-là n'attaquent pas. Ils se contentent d'imposer des conditions pour passer le mur. Rien à craindre d'eux donc. Les buzzards, eux, gagnent leur vie en traquant les joueurs. Et par gagner leur vie, je veux dire que s'ils ne marquent pas de points en effaçant les joueurs par écho interposé, ce sont eux qui se font effacer. Mais leur gibier quoi. On a tous mangé, tu sais. Ok, alors posons des questions sur Monsieur Anekoma. Monsieur Anekoma, qui êtes-vous? Moi? Ouais. Bon, d'accord. En bref alors. Je m'appelle Sana Anekoma, dès le 3 mars, groupe sanguin A. Signe poisson, barista dans un café branché. Je n'ai pas demandé votre profil sur les sites de rencontres. Je suis très joueur, mon moment préféré, bénéfice. Le natto me retourne l'estomac. J'ai dit, quant à mes mensurations, stop, pitié. Vous tenez un café? Je croyais que vous étiez un gardien. Le café, c'est un peu mon hobby. C'est mon côté hipster. Je trouve ça chouette. Hein? Quoi? Passez me voir si vous en avez l'occasion. Je vous ferai un espresso à vous en damner. Moyen en finance, bien sûr. C'est quoi cette invitation? Anekoma, il est sympa, j'aime bien ce perso. Et effectivement, il y a un café qu'on irait voir plus tard dans l'aventure. Shibuya. On est bien à Shibuya? Bien sûr, mais pas celui que vous connaissez. C'est un Shibuya alternatif qu'on appelle l'UG. L'UG? Pour Underground. L'UG est un vaste échiquier pour le jeu de Reaper. Vous croyez qu'on va gober ça? Votre Shibuya à vous s'appelle le RG, Real Ground. Donc le monde réel en gros. Alors on est dans un autre monde? Non. RG et UG coexistent dans le même espace. Ce que vous voyez, c'est le RG, le vrai. L'UG est géré par le compositeur. C'est qui ça? Le superviseur de Shibuya. Shibuya est un superviseur? Eh oui. Je ne peux pas en dire plus à ce sujet. Top secret, vous pigez? Bon, je crois qu'on peut juste redemander le jeu des Reapers, peut-être. Pour remporter le jeu des Reapers, il faut accomplir cette mission une par jour. Ouais. Ah non, ok, c'est la même question. Non, en fait, parce que j'ai vu le truc en blanc, donc j'ai cru que c'était un autre truc. Peu de questions. Pour ce qui est du cadeau que j'avais promis, en l'honneur de votre réconciliation. C'est quoi ce badge? Il est vierge? Quel est son sac? Celui-ci est un peu différent, il faut l'utiliser à deux. Il ne marche que contre les échos, quand vous êtes totalement synchro. Plus vous synchronisez, plus vous fusionnez votre énergie. Et plus ce petit bijou est libérera de psych. Tu as du talent, DJ. Tu peux utiliser beaucoup plus de psy que les autres. Apprends à coopérer et tu pourras peut-être aussi utiliser celui-ci. C'est vrai, tu es très fort pour les psy. Beaucoup plus que moi. Tu crois?
Ah, tu vois, prends-en grand soin. Et ça doit faire marcher, Neko. Mais je peux pas m'en servir seul. Je dois me synchroniser avec elle. Pas question. À quoi bon un badge puissant si je ne peux pas m'en servir? Il faut être clair. Il te faut plus que du talent pour t'en servir. Il faut quelqu'un qui a du style. Si tu vois ce que je veux dire. Je l'utiliserai. Et encore une fois, je m'appelle Neko, pas DJ. Hein? Ah oui, pardon. C'est noté, DJ. Voilà, donc toucher un ennemi pour que Shiki apparaisse et attaque, effectue des combos pour plus de dégâts. Donc on va au niveau de fusion max de Shiki et reçoit un niveau pour chaque sticker que vous récupérez. Il est pas banal, hein. Les noms, c'est pas son fort. En tout cas, il est sympa de nous avoir donné ce badge. Il est très amical. Ça, j'avoue. Il a une sorte de magnétisme. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vaguement envie de continuer à lui parler. Neku, on essaye le badge? Il faut que je sortisse avec elle. Galère. Un problème? Ah, je sais. Tu as oublié comment ça marche, hein? Tu es irrécupérable. Voyons. D'abord, il faut qu'on soit synchro. Ça me semble tendu. Ensuite, quand on tiendra le bon bout, ce badge s'activera. Et tu pourras l'utiliser. Super explication. Alors, on tente le coup? Ouais, on va tenter. Ok, c'est parti. On y va. Donc la synchronisation avec votre partenaire augmente en cas d'attaque de ce dernier de combo synchro ou utilisation d'un objet de la boutique. Une fois votre taux de synchro atteint 100%, le badge partenaire se transforme en un grand badge. Touche-le pour activer la fusion. La fusion inflige des dégâts à tous les ennemis et remplit un peu votre jauge de PV. Et ça c'est très important. Une fois que la fusion entre Shiki et vous est activée, vous pouvez améliorer avec un peu de magie de cartes. Mémorisez vite les cartes, puis touchez celles avec le même symbole que celles du haut. Accumulez les bonnes réponses pour augmenter les dégâts et vos chances de butin, et ainsi obtenir de meilleures récompenses en achevant vos ennemis. Et donc ça, c'est en fait le coup spécial, le coup ultime si tu veux. Avec Shiki justement. Alors c'était là je crois, ouais. Tac. Tac. Il y avait une étoile là. Ok. Et là je crois. Ah, pas le temps. Bon. En fait, plus de fois on trouve des cartes. Et plus justement l'attaque. L'attaque de ce badge. Enfin du badge ultime. Et le butin qu'on récupérera en tuant les monstres sera plus élevé en fait, tout simplement. Et du coup il faut que le badge en fait, il faut que le gros badge, il faut que la synchro soit à 100% pour récupérer plus de badges, enfin plus de butin. Alors tu as chopé le coup? Ou tu veux qu'on continue à s'entraîner? C'est bon, j'ai compris, je sais comment ça marche. Si on synchronise, ce badge nous sera très utile. Objectif atteint. Mur abattu. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a par là? Cosmic Corner, ça c'est une autre boutique encore, je crois. C'est un genre de boutique douteuse. Et les jeunes, jetez un oeil si vous voulez, mais je ne vends pas. Hein? Ce qu'il y a dans la boîte? Un truc vraiment spécial. Donc si vous le voulez, pas de bol. Je ne vends pas. Alors sortez-le de cette satanée boîte. Neku, on va juste jeter un oeil. Oh bah tiens, ils ont un fusible apparemment. C'est fusible? Désolé, je ne vends pas. Ce bijou est fait à la main. Du coup, les fans l'adorent. Si ça avait une bonne raison, peut-être que je m'en séparerais. Mais à devoir, c'est clair que c'est pas le cas. Pas si compte l'atout. Mais pas si compte l'atout? Je vends pas. Tu trouves pas ça dans toutes les boutiques. Elles sont hyper rares, tu vois. Comment aussi me demander de te vendre une? Je t'ai jamais vu avant, non mais enfin. S'il y avait un peu une raison, je vais blablabla, donc c'est le même dialogue. Le chapeau de Dandy. Sans rire, regarde-toi. T'es genre de la génération... on en est où maintenant, Z? T'es pas assez dans l'esprit Baby Boom pour kiffer un trésor comme ça. L'amour premier regard.
Juste pour, et pour info, c'est juste un an. Pour cette jupe, tu ne... porter cette jupe, tu n'aideras pas réellement à trouver l'amour. Alors même pas la peine d'y penser. Je veux bien qu'on arrête de me demander. Ah, vous les jeunes. On dirait que ces deux petits tourtereaux sont prêts. Quoi, vous n'êtes pas ensemble? Ah, vous les jeunes. Bon, on se casse, rien à faire pour l'instant. Vous avez entendu le monsieur? Je ne vends pas. Allons-y. Voilà. Oui, c'est très bizarre ce magasin, mais bon. Ah, les ramène. Alors là, on aura le truc de debout, je crois, normalement. Tant pis pour ce concert. Il n'a qu'à embaucher un autre technicien. Psst, Neku, tu as entendu ça? Oui, on dirait quoi, t'as un autre homme. Il a l'air de faire la grève. Bah tiens, comme les Français, comme les Parisiens. Il a choisi le bon bar à ramen pour se cacher. Vide en plein air, de pointe. Sérieux, je peux être le roi de la scène, moi. Je suis pas juste un rôdi, ok? Eh bien, je vais te dire, la bière est une ardoise vierge dont tu es la craie. Allez, mange un bol de ramen, ça va te redonner le... moral? Et où il est passé? Ah, j'y arriverai jamais. Les jeunes ne veulent plus manger de nouilles traditionnelles. Neku, le technicien se fait la malle. Hein? Bon sang. Je vais le ramener à East, même si vous allez traîner. Hirashai. Alors, du coup, les nouilles, enfin comment ça s'appelle? Les aliments. Les aliments ont à peu près la même signification également. Donc là, vous voyez que ça se consomme en 8 bouchées. C'est-à-dire que si je prends les premiers ramen, en fait, donc le taux de synchro augmente de 45%. Et une fois que j'ai digéré le repas, pardon, les PV augmentent de 5. Ce qui peut être intéressant. Donc là, ça augmente le taux de synchro de 30%, mon attaque augmente de 1. Ici, ma défense augmente de 1, une fois que c'est digéré. Et là, votre courage augmente de 6. Donc si vous voulez, en fait, il faut s'acheter blinde d'aliments. Et c'est avec ça, en fait, qu'on peut un peu booster Neku et ses statistiques. Donc voilà, niveau d'amitié, le vendeur commence à vous apprécier. Le nombre d'astuces, de capacités vous pouvez recevoir dans son commerce passe à 2. Parfait, hop, j'achète ça. Donc la bouffe, c'est très important dans ce jeu là. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment important la nourriture. Voilà, du coup, hop, on est niveau 4. C'est pas mal. Alors ces deux objets là se débloqueront avec une quête qui sera plus tard. Des coups sans partenaire peuvent manger des objets de nourriture pour augmenter leur taux de synchro ou d'autres stats. Accès de menu objet pour manger. Chaque aliment est divisé en plusieurs bouchées que vous devez digérer. Se battre après un repas brûle des bouchées. Digérer complètement pour obtenir un bonus de stats, de défense ou d'attaque. Attention à ce que vous mangez. Les personnages ne peuvent digérer que 24 bouchées par jour réel. Quand la date change, ce chiffre est réinitialisé et ils pourront à nouveau manger 24 bouchées. C'est vrai que c'est très important. Ah, j'en peux plus. Je voudrais me rouler en boule et oublier tout ça. Eh ben, il va drainer ce gars-là. Aucune chance de le ramener dans cet état. Pourtant, il va bien falloir. Il a l'air abattu. Je me demande ce qu'il déprime. Eh ben, on va voir ça tout de suite, ma petite Chiki. Mais avant... Hop, objet. On va se prendre les ramen. Voilà. Ah oui, il y a le petit cochon, peut-être par là, normalement. Alors, on l'entend. Juste ce que je trouve. Oui, le petit ennemi cochon, comme je vous dis, il faut le battre parce que c'est un ennemi un peu rare. Et il donne des objets, enfin des badges assez rares, généralement des badges de thunes. Donc c'est intéressant de l'affronter. Par contre c'est chiant parce que pour l'instant je ne peux toujours pas ramener plusieurs ennemis en fait. C'est ça qui est un peu emmerdant, c'est que pour l'instant je ne peux pas ramener plusieurs ennemis à la fois en combat. Alors, juste voir où est-ce qu'il est. Bon après c'est pas forcément obligatoire j'irais d'affronter le écho cochon, mais bon. Personnellement je vous le recommande quand même de le faire. Si j'arrive à le trouver déjà ce serait bien.
Alors là, je sais pas du tout où il est. Focus. Je peux vraiment pas enchaîner pour l'instant, ça qui est chiant. Oui, parce qu'après on peut enchaîner, après je peux vraiment prendre genre 5 ennemis d'un coup. Alors, on va juste... Ok. Ah merde, c'est pas le bon fichier. Ça me laisse un peu écouter la musique aussi. 2-3, ça va, pas mal. C'est déjà mieux. Et ouais, du coup, c'était beaucoup plus de dégâts, quoi, en fait. Ah, par contre, fait chier, parce que je ne gagne pas d'XP, vu que mes badges sont à fond. Enfin, XP pour les badges, hein, j'entends, pas d'XP tout court. L'XP tout court, si, mais pas d'XP pour les badges, voilà. Ah oui, donc il est possédé, hein, comme on peut voir. Hé, il est sonné par des échos. Mais oui, il est comme possédé. Je me sens complètement à côté de mes pompes. C'est de pire en pire. Il faut qu'on efface les échos qui l'entourent. J'ai raison. Donc c'est un ennemi orange et un peu spécial celui-là. Alors hop. Vas-y, on va essayer d'attaquer. Par contre faut que je fasse gaffe aux ennemis parce que c'est pas évident forcément. Surtout le loup. En fait les loups j'aime pas, ils sont super chiants parce qu'ils courent dans tout le terrain. Putain dégage. Pff, heureusement que j'ai level up. Bon, moi j'ai gagné 500 yens, c'est déjà ça. Et un bonus de défense, parfait. Vas-y, les échos sont visibles que pendant un scan, ok. Ça va être des échos noirs qui flottent dans les champs de scan, ça va être un peu des échos négatifs, ils affaiblissent les autres qui l'habitent. Ouais, bon, ça voilà, c'est pour expliquer un peu les différences. Hein? Mais qu'est-ce que je fais là? Mince, il est déjà si tard! Il faut que j'aille à East! Bien, et là elle va y aller. Et on aura enfin du courant, pardon. Bizarre quand même, comme il a tout de suite repris ses esprits. C'est vrai. Tu crois que les échos corrompent les pensées des gens? Mais la dernière fois alors, tu te rappelles, les gens qui les attaquaient se faisaient effacer? Il y en a peut-être des différents, de différents types, comme les Reapers. Ou alors... En tout cas, ils ne nous veulent pas du bien. Ils sont à d'autres personnes possédées, il faut qu'on les débarrasse des échos. Ok, Capitaine Crush, bien reçu. Allez, viens, on retourne à East. Le technicien a dû rentrer. Par contre, il est où ce fucking porcin là? Parce que je l'entends, mais j'arrive pas à le trouver. Ah merde, le con. Je vais pas rentrer à l'intérieur, fichier. Ouais, je sais pas, j'arrive vraiment pas à savoir où il est ce foutu ennemi porc là, porcin là. Je suis sûr qu'il est pas loin, j'en suis certain, mais... Ah, il est là, cochon. Bien, voilà. T'as pas le temps, il passe tellement vite quand on tourne ce jeu, c'est trop fou. Here it comes.
Il donne pas d'XP, mais il donne des badges pour de la thune. 5000 yens, ah ouais, rien que ça. Putain, nice. 5000 yens gagnés, je vais pas me plaindre. Hein. Par contre, des fois, faut peut-être que je fasse du level up quand même, des fois. Ça serait pas trop mal hein, de combattre des échos. Focus. Je pense que je ferai ça dès que je peux... Dès que je peux attirer plusieurs échos en même temps, je pense qu'on fera ça. Qu'est-ce que tu fichais 20 ans, préparer le répète. Excuse, triple 7. Triple 7, pardon. Mais les projets sont HS. Quoi? Comment tu veux qu'on répète? Non, comment on va assurer le show? Un dégât les répare. J'ai des sorties pour aller chercher une pièce manquante. Génial, alors on est prêt pour le concert. Hein? T'as trouvé la pièce? Trouver, c'est un bien grand mot. Crétin, va la chercher, grouille! Tout de suite! Oh oh, on n'est pas tiré d'affaire? Hey! Merci d'avoir trouvé le technicien. Domo arigato! Pas de quoi, mais il y a un problème. Oui, apparemment nos pojos sont bousillés. Il est parti chercher une pièce hors change. J'écris toute la journée. Ma gorge me fait un mal de chien. Apparemment, on va encore rester dans le noir un bout de temps. Tu crois que le technicien va arranger ça? On ferait bien peut-être... on ferait peut-être bien de le suivre. Yep. Donc il est reparti... normalement, il est reparti... Attends, il est peut-être parti en haut cette fois-ci, je crois. Je me souviens plus. Vous voulez franchir ce mur? Abattez deux de ces trucs, là où je peux vous voir. Ok. Ceci. Alors, deux comme ça. Là où tu peux nous voir, tu dis. Ouais, donc en fait, il faut qu'il reste dans le champ de vision. Putain, 4. Genre, y'a pas assez d'ennemis déjà, ils ont plus de 4. Voilà, 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 attention, attention. Ah putain de merde. Ah là là. Ça se barre dans tous les sens. J'avoue que le gameplay, c'est pas génial quand ça se barre dans tous les sens. Voilà, merci. Dégage-toi de là-bas. Bon, je sais pas si c'est parce que le switch est mal placé. Il arrive pas à la capter. Je sais pas, je vais essayer de la rapprocher un peu. Voilà, peut-être ça passera mieux comme ça. Ouais, bon, rendez, ça je sais que c'est pas terrible, mais bon, tant pis. Et l'autre, il y en avait un par là en bas, je crois. Voilà. Bon bah, on prend les mêmes et on recommence, hein, comme on dit. Ouais, heureusement que le badge avec l'éclair se recharge hyper vite, ça c'est... J'ai envie de dire son gros point, son gros avantage, c'est qu'il se recharge super vite le badge avec l'éclair. Vas-y Shiki, j'aimerais bien que tu m'aides là, ça serait bien. Vas-y, on va faire le spécial. Ok. Tac. Merde. Ah, il était là, je crois. Ah non, le con, c'était là. Et là. Voilà. X2, 9, ça va, c'est pas trop mal. Parfait. Rang A, bon, pas mal.
question, c'est que du coup, je gagne pas d'XP vu que j'ai pas d'autres badges à équiper. Ça, c'est super chiant, mais bon. Merde, pardon. Oups, mauvaise touche. Objectif atteint. Mur abattu. Sticker de Shiki, accélère les attaques de Shiki. Ah, ça c'est bien ça. Et 5000 yens, bien. Ça c'est très très bien. Alors, touche un ennemi quand le badge partenaire de Shiki est disponible pour l'invoquer dans une attaque. Touchez plusieurs ennemis à la suite pour effectuer un combo. Maintenez le combo et Shiki finira son attaque avec un coup puissant final. Ouais, si j'y arrive, c'est pas toujours évident ça. Hé, hey, regarde, c'est Bitterheim. Allons leur dire bonjour. Pourquoi? On n'est pas en soirée? Non mais quel boulet. Hop, on va... Allons leur dire bonjour quand même. Bitterheim. Tu parles d'une poisse. Bon, la DJ. Vous avez des infos sur la mission? Non, pas du tout. Mais je sais qu'on va y arriver. On a juste à battre le maître des East, c'est ça? Mais alors pourquoi ce mème? Mème? C'est quoi un mème? Shiki avait, a l'air d'avoir besoin de notre aide. On peut lui dire, non? Bon, ok, mais c'est bien parce que c'est Shiki. Mème, alors non, c'est pas les mèmes sur internet, hein, rien à voir avec ça. Alors c'est quoi un mème? Les mèmes sont des mots ou des idées liées aux missions. Quand on en voit un, quand on en voit ou on en entend un, on le reçoit sur notre téléphone. Mon téléphone a le mot blackout. Blackout? Hein? Je viens de recevoir un email. Exact, il est affiché sur mon téléphone. Mais ça sert à quoi? À la gravure. Mission du jour. Vous pensez à quoi de la mission du jour? Si on fait du maître des East, on y était. Il fait trop sombre, pas moyen de voir quoi que ce soit. Trop sombre? Ça explique le même. Gravure. Les mêmes servent à la gravure? Et c'est-à-dire? Oh, graver, c'est l'un des pouvoirs du badge de joueur. Ça peut servir à envoyer des mots dans la tête des autres. Et ça, c'est un élément de gameplay dans duquel il va falloir se souvenir, parce qu'on va devoir le faire plusieurs fois. Ce badge peut faire ça? Eh oui, quand tu graves... Non mais laisse tomber, Raim, t'embête pas. De toute façon, Didier ne fait pas confiance. Bite, voyons. Un problème partagé est à moitié résolu, pas vrai? Si on ne s'entraide pas, on risque tous de... Ah, non, non, on n'a rien à craindre. Vas-y, Raim, on se tire. Bid est toujours en rogne. J'aimerais bien arrondir les angles. Pourquoi? Il suffit de laisser tranquille. Arrête de toujours t'inquiéter pour les autres. Au moins maintenant, on sait graver des mèmes. Raim a été sympa de nous expliquer. Mais à quoi ça sert? Eh bien... Ah, je suis pas aidé. Étant donné les circonstances, mais non, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il a celui-là? On dirait qu'il n'arrive pas à se décider. Hé, Neku, et si on essaie la gravure sur lui? Histoire de voir ce que ça donne. Ok, pourquoi pas, on peut tenter le coup. Vous pouvez graver des mèmes directement dans l'esprit des gens lors des séquences de gravure. Lorsque le badge de joueur apparaît sur le cœur d'une personne, c'est le moment, touchez le badge. Un champ de scan va s'ouvrir et vous commencerez à lire les pensées de la personne. Touchez le badge de joueur à nouveau pour sélectionner un mème. Le mème que vous avez gravé affectera les actions de la personne. Soyez créatif. Voilà, donc ça. Blackout a été ajouté dans votre téléphone. Vous pouvez désormais essayer de le graver dans la tête des différentes personnes. Ok. Je sais pas si... Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Bon, il y a le cochon. On va l'attaquer, juste lui. Ça, c'est fait déjà. Voilà. Ah oh, ça a été plus rapide cette fois, tu vois. Bon, je vois qu'on est vraiment 49 minutes, 5000 yens, c'est bien ça, je me fais plein pas mal de thunes, ça c'est cool. Alors, parlons. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Donner les circonstances? Mais non, ça va pas le faire. Tac. Et là, on peut toucher. Ah. Peu importe ce que je fais, on dirait que ça ne marche jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Mais quoi enfin? C'est inutile. Je n'arrive pas à me décider. Ah. C'est inutile.
Enfin, quoi faire que j'avais la réponse? Je ne l'ai pas. Seulement une idée pouvait me venir en tête. Bon, là, j'ai juste laissé pour avoir le dialogue, hein, de base. Voilà. Donc là, on touche une deuxième fois. Et on va lui mettre le mot blackout. Un blackout? Un blackout? C'est ça! D'abord, je dois couper le courant, je crois. Ouais. D'abord, je dois couper le courant. Et après... Et après? Ah, zut. Cela va s'en tirer. Bon, au moins on sait comment ça marche. On en jouera plus fine la prochaine fois. C'est censé m'aider, ça? Bon, et maintenant? C'était quoi cette pièce que je devais remplacer? Je n'en peux plus retourner demander maintenant. Eh, c'est pas le mécanicien, c'est pas le technicien? Si, en pleine loose, comme d'hab. Neku, ce chez. Je vais tenter une gravure. Alors. C'est parti, tentons la gravure. Attends, est-ce qu'il n'y a pas d'autres magasins dans le coin? Si, il y a le grand magasin de Shibuyuku. Shibukyu, pardon. C'est bon. Ouais, les noms. Alors, du coup, il y a différents magasins. Musratus. Hello. Alors, si je regarde juste vite fait, je vais donner des informations. Alors, raconte la fréquence à laquelle vous infligez drain de PV. Ah, ça peut être pas mal, ça, dis donc. Bon, pour pas n'importe ça, votre taux de synchro augmente bien plus vite. Ok. Ça coûte pas trop cher. Non, je vais peut-être prendre ça. Tac. Thank you. Putain, ça coûte assez cher quand même. Enfin bref, c'était juste pour acheter 2-3 trucs. Bon sang, ça craint. C'était quoi cette pièce que je devais remplacer? Je ne peux plus retourner de me demander maintenant. Hop. Alors, on touche. Blackout. Le blackout? Oh ouais! Faut que je répare l'éclairage. Et pour ça, j'ai besoin de quelque chose. Et j'allais vers Dogenzanka pour la trouver. Quelque chose. Mais quelque chose? Le mec devrait savoir. J'aurais peut-être y retourner. Mais... Triple Seven se trouve entre lui et moi. Si j'y retourne sans la pièce, je suis mort. Bon sang. C'est quelqu'un... C'est seulement quelqu'un pouvait le demander à ma place. Le mec? Il y avait quelqu'un à côté de la scène? Eh oui, il y avait quelqu'un à côté de la scène dans le noir qu'on avait vu. Alors, on va juste y aller. Oui, c'est vraiment un concept intéressant, hein, tout et oui. Parce que là, on peut vraiment lire les pensées des gens. Après, il faut retrouver des objets, enfin des mots qu'on doit incruster dans la tête des gens. C'est pas mal du tout, franchement, comme gameplay. C'est un truc que j'avais bien aimé. Il est toujours pas revenu. Combien de temps il faut pour trouver un pauvre fusible? Voilà. Donc là, grâce à ça, on sait que c'est fusible. Et donc, on va gagner le mot fusible. Un fusible? C'est ça que veut le technicien? C'est ça que veut le technicien? Voilà. Donc, il est dans le répertoire maintenant. Enfin, on a reçu le même fusible. Dans lequel on pourra donc le placer, enfin, le graver dans la tête du mécanicien. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que c'est long, si vous voulez que je coupe une journée du jeu, donc la troisième, genre par exemple là, si par exemple, imaginons l'épisode dure 1h30, si vous voulez que je le divise en deux ou autre, n'hésitez pas à me dire, hein, bon, ça me dérange pas, si vous voulez que je divise l'épisode en deux, pour faire plus digeste, sinon je laisse tout d'un coup, c'est pas grave, moi ça me dérange pas, c'est comme vous voulez, pardon, putain, je viens de manger, donc j'ai un petit peu envie de roter presque, enfin... C'est que la 23h18. Ouais, enfin, non, j'ai pas fini de manger maintenant. Non, c'est un peu tard. Non, j'ai mangé il y a bien plus tôt, évidemment. Alors, tac, 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 le même dialogue. Et le fusible. Un fusible? Le fusible! Je dois réparer les lumières. Et pour ça, il me faut un nouveau fusible. Pfff, quel soulagement. Mince, faut que j'y aille.
faut que je me grouille. Mais voilà parti. Il va peut-être finir par trouver par arracher la pièce. Ou pas. Mais vous le suivre. Et donc il se dirigeait vers Dogenzaka. Dogenzaka, pardon. Qui était le quartier avec. Enfin le passe la rue, pardon. Je vais y arriver. Avec le. La boutique bizarre là. Justement. Regarde, il est entré. En avant. Et c'est ici. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Je l'oublierai jamais. Phew. Il a enfin acheté ce qui lui manquait. Maintenant, on va peut-être avoir un peu de lumière. On devrait y retourner aussi. Et... Oups, non, pas encore. Pas encore. Voilà. Arrête de perdre du temps. Non. J'ai trouvé la pièce. J'espère bien. Mène-toi de réparer les projos. Là, ça doit être bon. On peut enfin voir à l'intérieur. Oui. Allez, viens. Il fait encore un petit peu noir. Hein. C'est quoi l'histoire? Ok, ça devrait faire l'affaire. C'est bon? Ouais, ramène voir le courant. Ok, c'est parti. Hein? Raté, ça a encore sauté. Hein? Pourquoi? Je crois que tu avais réparé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas. Peut-être que ça ne venait pas du fusible. Attention, il y a quelque chose là-dedans. Hein? Ça arrive, prépare-toi. Eh ouais, c'est un boss. Sauf que on peut pas trop le voir. Mais là ça se divise en deux, donc on peut contrôler vite fait Shiki pour attaquer les différentes chauves-souris. Hop, et là ça repasse. Voilà. Ça nous fout un peu de lumière. Et on peut attaquer le vrai boss. Je trouve quand même que les ennemis ont quand même une bonne gueule, je trouve quand même. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... La musique surtout, putain, la musique, elle est vraiment géniale. Ah, bâtard, il m'a paralysé. C'est un boss de merde. Ok, donc là, ça repartira un moment. Si voilà, on a une fois qu'elle repasse en haut. Pour attaquer les chauves-souris. Qui protègent les câbles. Voilà, ça répare un peu les projos. Et on peut attaquer le boss. Déjà, j'en cul, déjà. Alors, on va attaquer ici, il y a moins de chauves-souris. Thank you.
c'est vraiment un bâtard de boss. Wow, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous balance des fous machuriken. Attends que je te fume, bâtard. Ouais, ben. Bon, sur une note de merde, je le sais, mais tant pis. Ouais, classement D. Prévisible, mais c'est pas grave. Plus d'attaque, donc au toxique, inflige parfois une rupture de défense aux ennemis au début du combat. Ça peut être pas mal, ça. C'est une quête de boutique, vous pouvez les changer contre un objet essentiel au développement du personnage. Ouais, ça il faut les garder, les écarlatites. J'ai la peur de ma vie. Mais c'était le maître, hein. Quoi? Non, mon gros tourne toujours. Tu plaisantes? Alors où est le maître? Non, on n'a plus le temps. Faites pas de bile. Le voilà, votre maître. Beat, time. Je crois qu'on a réussi. Un cheveu. Exact, le chrono a disparu. Mission accomplie. Mais je ne comprends plus. Hein? C'est réparé. T'es sûr? Oui, ça devrait marcher maintenant. Ok, je vais aller le dire aux autres. On verra que les autres, leurs affaires reprennent. Ça va vite devenir noir de monde ici. On aurait mieux de sortir pour l'instant. Alors ça ne suffisait pas d'éliminer la chauve-souris géante. Oups. Heureusement que vous étiez là. On vous en doit une. Sérieux, vous auriez dû vous en recadrer un peu plus. C'est à toi que je parle, DJ. Quoi, Rhyme? Arrête de jouer les durs, Bill. Nous non plus, on n'avait pas toutes les infos. Sans eux, tu n'aurais pas trouvé la petite chauve-souris d'or. Tu sais pourquoi? Laisse-moi deviner. Il fallait d'abord battre la grosse. Ouais, tu fais genre t'avais toutes les réponses. Mais tout à l'heure, tu balisais. J'aime bien, Bill. Toi aussi, Bill. Ah, mais t'es dans quel camp? Moi j'ai fait le boulot, non? Hé, ah. Hey, je t'ai entendu. Qui t'a autorisé à te payer ma pomme? Regardez, le concert commence. Mais au fait, quoi encore? Comment ça se fait qu'on ait pu lui parler? Un 777, je veux dire. Parce que c'est un Reaper. Quoi? Monsieur Nakoma nous a tout expliqué. Tu as oublié? Écoutez bien, ce Shibuya n'est pas votre Shibuya. C'est celui du compositeur, celui qui sert d'air de jeu au Reaper. Quoi qu'il arrive, les gens ne pourront pas vous voir, pas vous entendre, et encore moins vous aider. Votre seul espoir de survie, c'est votre partenaire. Donc grosso modo, on est invisible. Seuls les participants au jeu peuvent vous voir. C'est-à-dire les joueurs, les Reapers, et vous? Eh oui. Qu'est-ce que je fais dans ce jeu, là, noir? Tous les joueurs passent du RG à l'UG pour une seule et même raison. Et tous doivent payer comme dans Ardenté ce qu'il aurait le plus cher. Le plus cher? Est-ce qu'on le récupère? Si tu gagnes. Et sinon, tu perds ton Ardenté pour toujours et. Il attendra d'exister. Mais oui, il a précisé que seuls les Reapers et les autres joueurs nous voyaient. Personne ne peut nous aider. Vous croyez? Comment s'en sortir? Bien sûr! Coûte que coûte. Ah, tu penses que tu peux assurer, DJ? Hey, vous savez, c'est ça qu'on fait une bonne équipe. Et si on restait tous ensemble à partir de demain, on n'aurait pas survécu aujourd'hui, les uns sans les autres. Je suis d'accord. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Fermé par tente, alors moi aussi. Pas d'objection, Neko? Comme si je pouvais. J'ignore encore tout de l'UG.
de moi-même et des Reapers. Tout ce que je sais, c'est que ces trois-là ne sont pas mes ennemis. Hé, hey, Neku, rappelle-toi ce que M. Nekoma nous a dit. Fais confiance à ton partenaire. Je me rappelle, et maintenant je comprends. À qui d'autre me fier? Surtout dans un Shibuya aussi méconnaissable. Ne ralentissez pas, c'est tout. Génial, c'est réglé. C'est le début d'une belle coopération. Six joueurs ont été effacés aujourd'hui, chef. 6? Bigre. Nous avons passé la barre des 50% d'effacement. Un jour, plutôt que prévu. J'en conclus qu'Higashizawa donne sa satisfaction. Oui, chef. Voilà pour le rapport du jour. Nous avons une réunion demain, chef. Même heure que d'habitude. Très bien, bon travail. Un problème, chef? Non, non, c'est juste. J'ai l'impression que la partie de demain sera très divertissante. Who to trust? Et voilà. Troisième chapitre terminé. The fourth day. Quatrième jour déjà. Tic-tac. Minamimoto, oui, c'est ça. Tu as 9 minutes et 42 secondes de retard. Tic-tac toi-même, Konishi. Tu peux me dire ce qu'on fout là? Je peux te citer un tas de meilleurs passe-temps que les réunions. Pas vrai, Megumi? Monsieur Kitaniji, je te prie. Pas grave. Tout le monde est là? Hé, hey, Megumi, c'est qui la masse? Je te présente Higashizawa, le maître du jeu pour de cette partie. Il gérera son déroulement en mon nom. C'est un grand honneur, chef. Je vais les hacher menu comme chair à pâté. Tu comptes les bouffer ou les effacer? Les effacer ou les bouffer, pardon. C'est ça, regarde donc. Il n'a plus à faire ses preuves. Effectivement, Higashizawa se distingue par son sens tactique, sa force de volonté, ses performances, son taux d'effacement. Il dépasse toujours toutes nos attentes. Un homme aussi réfléchi que M. Kitaniji ne l'a pas choisi à la légère. Il sait aussi coopérer, contrairement à certains. Aux ordures à coopération. Bon, je tire. Mon intérêt pour vous s'attend vers zéro. Attends, enfin, M. Kitaniji n'a pas encore pris la parole. Qu'il fasse ce qu'il veut. Oui, chef. Venons voir. Higashizawa, tes résultats sont excellents. Merci, chef. Plus de la moitié des joueurs ont été effacés. Le pas de résistance est consommé. Passons au dessert. Parfait, j'attends ça avec impatience. J'ai évoqué ta promotion avec le compositeur. Nous sommes du même avis. Merci infiniment, chef. Je te sens prêt, mais j'ai une condition. Laquelle, chef? Je vous écoute. En tant que mon mandataire dans le jeu, je veux que tu élimines tous les joueurs. N'ayez crainte. On juge l'arbre à ses fruits. Les fruits de leur destruction. Réunion entre les Reapers. Intéressant tout ça. Ah, est-ce que je suis encore? Tiens, tu es réveillé? Qu'est-ce que vous faites? On regarde la foule. Regarde tout ce monde. Il y a une diversité folle à Shibuya. Et chacun sa propre histoire. Shibuya, c'est nul. À quoi bon y vivre avec autant de gens? Ils ne font que se gêner et s'insulter les uns les autres. Ce sont eux les vrais échos. J'aimerais avoir une télécommande pour tous leur couper le son. Tu as déjà essayé de tous les scanner? C'est comme écouter toutes les stations de radio à la fois. Comme si les valeurs de chacun essaient de noyer les autres. Il n'y a pas de ville comme celle-ci. Shibuya est un champ de bataille. Oui, c'est un peu ça. Un conflit d'idéaux. Bon sang, tous ces gens, y'a personne qui peut nous voir. Y'a de quoi être triste, hein? Oh, cette musique, j'adore cette musique. Triste? Au contraire, personne ne me voit, personne ne me gêne, et personne ne me demande rien. C'est le rêve. Quand j'aurai survécu la semaine, est-ce que le rêve s'arrêtera? C'est parti pour la mission. À 4, ça va être du tout cuit. Ouais. Rendez-vous à Tower Records. Temps illimité. Si vous échouez, vous serez effacé. Signez les Reapers. Hein? Temps illimité? Mais c'est ultra facile. Tower Records est à 10 minutes à pied. Pourquoi ils n'imposent pas de limite?
On a juste à faire quelques pâtés de maison. Moi qui voulais tout cartonner. Comme quoi, on n'avait pas besoin de faire équipe. N'empêche, c'est bizarre. Je veux pas que ça casse quelque chose. Hé, une seconde, je dois avoir une super idée. J'aimerais bien m'arrêter, mais bon, c'est le jeu pour l'instant. Tant que je peux pas reprendre le contrôle, je ne peux pas arrêter l'épisode pour l'instant. C'est quoi le topo, Caria? Qui a eu l'idée de cette mission pour enfants de maternelle? Eh oh, du calme, on se détend. Le stress, c'est mauvais pour ton teint. Peut-être, mais moi les missions faciles, ça me défrise. Ah, il faut que j'aille dérouiller des joueurs. Réfléchis un peu. Mets-toi à la place des joueurs. Tu es atteint le quatrième jour. La mission est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu te dis? Pas faux. Le boss a l'air d'avoir pensé à tout. Et puis, les jours repos, c'est comme il y a d'amour de patron. On peut pas se donner à fond toute la semaine. Ça serait intenable. Il faudrait déjà que tu te donnes à fond tout court. Ça, c'est un détail. De toute façon, nos ordres viennent directement du boss. Bon, d'accord. Tu as gagné. Voyons ce qui va en sortir. Voilà. Du coup, on doit aller prochainement à Tower Records, qui est, je crois, le magasin de musique du jeu, dans lequel on peut acheter d'autres OST pour le menu. Quand on va dans le menu du téléphone, on peut avoir différentes OST. Voilà, voilà. Du coup, cet épisode 3 s'achève ici, donc il est plus long que les autres, hein, je m'en excuse encore. Mais bon. Franchement, moi je pense que laisser l'épisode entier pour bien profiter, c'est mieux que de le découper en deux. Après voilà, vous le regardez en une, deux, trois fois, comme vous voulez, peu importe. Mais moi je pense que le laisser tout entier, c'est quand même mieux que de le diviser en plusieurs parties d'épisode. Enfin, vous me direz ce que vous pensez, pardon. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de Twiwi pour l'épisode 4. C'était Elkizé, ciao bye bye. Je vous laisse un petit peu la musique en fond avant de partir comme ça. Bah, c'est pas mal. Allez, à plus tard.